À travers le monde, si le Canada est connu, c'est peut-être grâce à certaines femmes. En littérature, il y a eu Maria Chapdelaine, grâce à Louis Aymon. Il y a aussi dans le chant, la Grande Almanie. Et plus récemment, parce qu'il ne faut pas la vieillir, une de nos plus grandes artistes, peintre et verrier, Marcel Ferron. C'est vrai, ça, Marcel. Je vous Disons que compare je pas à la Maria serais Chapdelaine, tout de même. je serais peut-être un peu plus modeste. Mais tout de même, vous avez Bon. exposé à travers le monde. Et pour une Oui. femme, votre art, celui d'être verrier, c'était quand même assez unique. Oui. Et ce qui était unique aussi, c'est peut-être d'avoir créé une nouvelle technique du verre, de l'intégrer dans les édifices actuels avec des joints nouveaux et d'avoir travaillé ça dans le cadre d'une usine. Ah, Hein, pour que c'est-à-dire que ça. vous êtes parti du stade artisanal pour en arriver à une expansion industrielle, un Oui, développement mais par industriel. contre, il reste toujours les trois étapes. Hein. Il y Oui, a allez-y. toujours l'artiste, l'artisan, qui est Roger Ouellette, qui est le coupeur de verre, hein, qui fait le montage aussi. Donc ça, c'est le stade artisanal aussi. Et après, ça passe sur la chaîne de production, qui fait qu'on arrive à, disons, à des verrières qui sont à des prix. Comme on dit, imbattable au monde. Est-ce que Et la je tiens beaucoup à ça. technique, Marcel, a bien changé si on regarde les rosaces dans certaines cathédrales du Moyen Âge et ce que vous faites actuellement aujourd'hui? Ben oui, c'est complètement. Ça n'a plus rien à voir. Il reste par contre une chose qui est commune, c'est que le joint a la même forme. Hein, ce sont des haches. C'est que moi, je travaille avec du vinyle, je mets ça dans des thermos, hein, des Oui. fenêtres complètement scellées. Ce qui fait que le verre antique ne souffre aucune intempérie, il ne peut absolument pas, il peut durer vitam aeternam. Si on analysait les étapes, disons que je suis un client, j'arrive chez vous et je veux me faire installer, me faire faire une verrière ou utiliser le verre comme élément décoratif. Qu'est-ce que vous allez faire avec moi? La première chose, ça sera pas seulement avec vous, Ah ouais. de voir la maison. De voir le problème au point de vue lumière, et puis de voir les gens, d'abord de s'informer quelles couleurs ils aiment. Je ne sais pas, il y a 4000 couleurs. Hein? Alors donc, on part quand même, c'est les gens qui vivent avec des verres colorés, puis pour moi, ça apporte de la joie, et puis de la lumière, puis de la gaieté, quoi. Alors donc, on part de tout le problème. En architecture, c'est pareil, on part du problème architectural. Et là, on doit régler, on doit trouver une nouvelle solution pour répondre à tel et tel impératif. Il faut le trouver. Vous faites un canevas ou un carton ensuite. Oui. C'est-à-dire que je pense à toutes sortes de solutions. Ça, c'est ce qui est le plus Et difficile. votre technique, surtout votre méthode, à vous, votre style, c'est le développement maximal, je pense, de la couleur. C'est toujours une gerbe de couleurs que vous nous offrez. Oui, puis que ce soit lumineux, piqué, puis. Alors là, disons, je pense au dessin. Hein? Oui, au problème de l'architecture et tout ça. Après, je vais à l'usine. Là, on agrandit le dessin comme un patron de Rome, Oui. la Quelle sorte grande d'usine? Vous sèche. allez dans quelle sorte d'usine? Ah ben, je vais dans une usine assez importante, une usine, enfin, elle s'appelle Superseal. C'est une usine de pointe qui fait des fenestrations, qui est spécialisée dans les doubles vitrages et qui est une des meilleures au Canada, parmi les meilleures au Canada. Et pour une femme, là, c'est pas difficile de diriger justement le chef d'atelier et les ouvriers. Bon, je te dire que justement, c'est que personne ne dirige. Hein? C'est-à-dire, moi, je fais mon travail. Le coupeur de verre, il a sa liberté totale. Il coupe comme il l'entend. Il fait les joints. C'est lui qui peut faire les joints. Puis après, ça passe sur la chaîne de production. C'est eux qui connaissent leurs produits, donc ils font quelque chose d'absolument impeccable. Il n'y a pas de. Donc, c'est un véritable travail d'équipe. Tu sais, il n'y a pas. Moi, je n'arrive pas là avec l'artiste, là, tu sais, avec Mais vous, un peu trop de prétention. vous le faites, Marcel, sur une très grande échelle. Mais chez les dames, chez elles, ou les groupes, disons, qui font de l'artisanat, est-ce qu'elles pourraient, elles aussi, faire de la verrerie? Oui, elle pourrait, mais elle pourrait, par exemple, disons avec du plomb, au lieu de prendre des joints de vinyle qui sont scellés dans des thermos et tout ça, moi, je ne peux même pas le faire dans mon atelier, c'est Mais on doit impossible. choisir quand même les sortes de verres. Oui, alors sans choisir le verre, d'accord, c'est quelque chose. Puis on choisit les couleurs qu'on aime, hein. On ne peut partir que de ça. Si moi, je pars, j'ai 8000 couleurs possibles, ben, je ne peux pas en choisir aucune, elles sont toutes belles. Ah, donc, je pars. Hein, d'une couleur que j'aime, et je me suis retrouvée à me refaire une palette, en somme, qui ressemble à ma palette de peintre. Parce qu'on n'est pas 56 personnes, il y a des couleurs qu'on aime, puis d'autres qu'on n'aime pas.
les gens qui devraient travailler, enfin qui font le verre, comme ça ils pourraient prendre du plomb. Et là, les joints, c'est le même type de joint. C'est beaucoup plus facile à travailler. Ça peut se faire à domicile, dans un atelier. On pourrait même utiliser, je regarde, l'espèce de bahut que vous avez derrière vous. Et on pourrait faire peut-être une verrière avec déjà les cadres. Mais oui. C'est très facile. Oui, c'est-à-dire que c'est comme tous ces métiers-là. Ça a l'air facile. Mais par exemple, disons, moi, je connais assez bien le verre, même... Mais pour en fabriquer, par exemple, je suis incapable, je ne serai jamais un bon artisan du verre pour fabriquer du verre à partir du sable. Ouais. On a essayé, on a fabriqué avec Baudin, du semi-cristal, ce qui était pas mal pour des débutants. Mais quand même, on s'est rendu compte qu'avant d'être un bon artisan, c'est des techniques qui prennent 7 ans. Ouais. C'est le tour de main, hein, comme pour couper le verre. Moi, je suis incapable de couper du verre pour faire un très grand mur. J'ai pas ni j'ai pas le tempérament, hein, comme dit le coupeur de verre. Bon, ben maintenant, va-t'en, tu m'énerves.